Aléa du calendrier, au moment d'attaquer cette 10e journée face à Nancy, Bordeaux n'est plus leader. 24 heures plus tôt, en effet, Marseille s'est imposé 4-0 face à Sochaux et a donc pris virtuellement la tête. Une pression supplémentaire donc pour des Girondins qui ne vont mettre qu'une demi-heure avant de remettre les pendules à l'heure. Le tout suite à cette action menée à la base par Wiltord et conclue par Lilian Lasland. Ces deux-là sont décidément inséparables. Bordeaux mène 1-0. Sur cette action, le duo infernal vient provoquer trois défenseurs et le gardien nancéen. À l'arrivée, Lasland sort gagnant grâce à sa puissance et sa hargne. D'ordinaire supporter auxerrois, Gérard Depardieu a fait le déplacement dans un autre pays de vignobles pour apprécier ce spectacle où le suspense aura tenu jusqu'au bout. Car face à des nancéens accrocheurs, les bordelais devront attendre la 90e minute avant d'assurer définitivement la victoire. Une nouvelle fois sur un contre et une nouvelle fois grâce à l'opportunisme de Lilian Lasland qui réussit son premier doublé de la saison. Cette frappe de Romain Ferrier est mal captée par Roux, le gardien nancéen, suffisant pour que Lasland s'offre un cinquième but. Dans la douleur, Bordeaux s'impose 2-0, mais Eli Bop est soucieux car dans ce match, ses hommes n'ont pas eu le rayonnement habituel. Seul le réalisme d'un homme en pleine confiance a pu faire la différence.